Tu peux arrêter là on... T'es en train de me déranger là, je suis en train de bosser depuis 5h du matin, t'es au courant? Salut tout ce Nil, voilà donc comme vous le voyez les gars, la salle, il a visité la maison tranquillement, donc vous aurez la salle en fin de vidéo. En tout cas je vais vous montrer ce qui a avancé dans cette maison, quand même de l'amélioration. Ça fait combien de temps qu'on a fait la vidéo? Ça fait 10 ans à peu près. En 10 ans, vous savez, on a eu le temps d'avancer. Donc t'es en train d'enlever le petit buisson pendant que Nico est venu vous rendre visite. Le petit buisson. Si t'as encore le buisson. Ouais, je vais le montrer quelque part là. Vas-y, montre où je dois le montrer. Là. Voilà, là on va mettre l'ancienne vidéo, on va faire un super montage. Voilà. En tout cas, je remercie Nico d'être là. Si jamais vous voulez suivre Nico sur Twitch, j'étais tous les soirs en live à 21h, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bon, du coup, c'est parti, on y va? Ouais, on va casser des trucs avec le marteau. On a cassé là, ça y est, ils sont en train de tout aménager là. Alors du coup, avancée de la maison, on va commencer par le jardin. Je me suis permis de faire un grand potager parce que je sais que cette partie-là, je m'en servirai pas trop. Il y aura une clôture. Donc pour l'instant, on a retourné la terre. Alors nouveauté, on a reçu tout ce qui est transat, etc. Bon, on n'a pas encore tout monté parce qu'on est en train de monter aujourd'hui. Donc là, vous avez, tu vois, on est là comme ça. Ça c'est pour manger. Et hop, si jamais t'es fatigué, tu fais ça. Et là, tu pars sur une détente totale. Là, je vois l'avenir, tu vois. Quand je suis comme ça, je vois l'avenir, je me dis waouh, c'est pas si mal quand même. Moi, j'ai mis des arbres et tout. Parce que la nuit, j'aime bien dormir dans les arbres. Ouais. Donc du coup chez Ikea les gars, ils m'ont envoyé un monteur de meubles professionnel, il est là. Bonjour. Je parle pas français. Ah, il parle alien. Il est en train de monter, faire les étapes. T'as l'étape combien là? Étape 4. Il a dit étape 4 sur 5, ouais. Les gars, il y a combien d'étapes? On voit qu'il est quand même perdu. J'ai commandé aussi 2 transats, ils vont arriver dans la semaine. Donc je vous montrerai quand, bah, dans la prochaine vidéo, avancement des travaux. Parce que je sais que vous aimez bien que je vous monte les travaux. Le Weber qu'on va utiliser parce qu'on a de la bonne viande hein. Juste après cette vidéo, Nico, il va faire le chef custo, comment il va cuire les, ah ouais, les steaks, etc. Ah ouais. Les merguez. On est parti pour le meilleur, je peux dire. Hein. Le meilleur. Bon, du coup, avancée de la chose. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est terminé. On a clairement terminé, on peut aménager. Ah ouais, c'est du béton. On dort directement sur le béton. D'accord. C'est un nouveau concept qu'on a mis en place en 2021. Il y a quoi de nouveau ici? Oh, si, il y a des choses de nouvelles là. Regarde le plafond. Ah ouais, il y a les spots effectivement. C'est les gens qui viennent bosser ici, donc les ouvriers. C'est leur coin où ils posent leur matériel pour l'instant. C'est la pièce qui sera faite en dernier. Parce qu'ils poussent tout leur stock, etc. Donc c'est plus simple pour eux. Je vais vous présenter la petite nouveauté. Bon, déjà, ce qui a avancé ici, les avancements. Donc, on a posé le sol, tout simplement la salle de bain, la petite salle de bain, la salle de bain des invités. Et j'ai également changé, parce qu'il était dégueulasse l'ancien pour ceux qui se souviennent, j'ai changé la petite paroi de douche, pas mal, qui est fonctionnelle. Hein. Voilà, si jamais tu veux prendre une douche, Nico, n'hésite pas. Ouais, vite fait. Et ensuite, la chambre ici, on a posé aussi le carrelage. Et il y a également l'électricien qui a tout changé, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des prises qui sont en attente. Alors du coup, on a également la cellule ici, c'est pour mon studio en haut, Ethernet, la fibre. On arrive enfin à ce que je vous ai dit les gars, je vous ai dit que ça, franchement, j'en suis fier. Je suis très très fier, on a posé d'ailleurs la porte. Je peux casser la porte ou pas? Quand même. Oh. Allez, rentre, c'est magnifique de voir. C'est un petit peu sale parce qu'il y a de la poussière avec les travaux, donc tu peux venir. On va mettre un petit coup de serpillère au passage. Un petit coup de lingette, tu vois, hop, comme ça, c'est du direct chez nous, tu vois, c'est comme ça. C'est du direct. Nous, c'est en live. Quand tu vois, on fait pas de magouille, genre, ouais, ils ont là-bas avant tout. Nous, en live, en direct. Petite fonctionnalité, si jamais tu veux charger. Alors, je m'en suis servi, c'est pas très pratique. Et ça, hop, oh, tu peux brancher USB, deux prises. Je crois que c'est magnifique. Pour la raclette, là? Pour la raclette également. On va commencer par ça. Sans les mains. Ça c'est stylé. Ça c'est stylé de ouf. Avec les lumières dedans qu'on peut changer, je vais vous montrer. Voilà. On peut changer la couleur. Vous voyez, la couleur change. Et on peut également changer l'intensité. Voilà. Donc là, je vais les éteindre pour voir. Vous voyez ce que ça fait quand c'est éteint. On peut la fermer. En même temps, on peut présenter ça. Avec la lumière également. Ici. Et en termes de lumière, on a encore les lumières ici. Oh, c'est beau, hein? Voilà. Magnifique. En fait, elle se referme. Le four se referme tout seul. A few moments later. Ce qui est bien, c'est que c'est tactile. Voyons. Tu mets le truc en place. Voilà, là, tu choisis ta truc. Après, hop, tu fais ça retard. Tu m'embrouilles. C'est du direct. Voilà. On peut chauffer une pizza, par exemple? En dessous. On peut chauffer genre un plat des pâtes. Des pâtes. Ok. Et tu peux chauffer aussi un genre un.
Un plat de, tu sais, du couscous. Vas-y, tu peux chauffer tout ce que tu veux. Okay, okay. Ben, tu peux chauffer quoi? Des chaînes Twitch. Là, juste là, tu veux dire? Juste là, ouais. Il y a même la mienne là, tu vois. Ah ouais, ah ouais. Et. Ouh! Alors, ça, franchement, c'est magnifique. Je l'ai pris direct. Parce que je trouvais ça vraiment stylé. Au passage, encore merci à Cuisine Kitchen pour la cuisine. Et du coup, ce qui est en attente, c'est le frigo. Donc le frigo, il sera ici. Et là, il y aura le congélateur en dessous, quoi. J'ai oublié de vous montrer. Donc pareil, j'ai pris que du neuf partout. Pour ceux qui veulent savoir ce que j'ai pris comme barque, voilà. Voilà, on a tous les rangements, machin. La plaque aussi qu'on n'a pas reçue encore, qui sera ici. Bon, ok. Alors, du coup. Pardon. T'as envie de tout casser. Mais je... Tu sais quoi? Allez, tiens, Toto. Ce qui a changé? Bah, il n'y a plus de porte. Avant, il y avait une porte, pour ceux qui se souviennent. Donc là, rassurez-vous, c'est pas encore fini. Ils vont enlever ça. Hop, et ça sera lui. Bah, les spots hein, partout dans les chambres, on peut changer, tu sais, la couleur. En rouge, jaune. Bienvenue dans la salle de bain, si tu sais comment elle était avant. Donc voilà, le placo a été posé. Je me suis fait un petit coffret, tu vois, parce qu'en fait, vu qu'ici, il y aura la douche à l'italienne, j'ai fait un petit coffret pour poser le gel douche. Ah c'est oui, pas mal ça. C'est bien. Et ici, en fait, si vous voulez, il y aura mosaïque. Bon, je vous montrerai, bah, ça sera fini. Arrivée d'eau de la baignoire. Et ici, on aura aussi un petit coffret pour accéder à la VMC. Ça a bien avancé quand même. Ça change. Hein. Ça change. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Là. Là, on est pas mal. Et les enduits ont été faits dans cette chambre et dans cette chambre. Regardez ces enduits. Oui, c'est pas encore poncé. Ça a été juste enduit. Ensuite, ça va être poncé avec la girafe. Bon, bah on descend. Allez, viens, on descend le garage. Comme ça, on clôture cette vidéo 2 sur la maison. Et je peux vous dire que les garages, ils sont blindés. Maintenant, ils sont vraiment très très blindés. Alors, on a reçu le parquet de toutes les chambres. Donc, il y en a quand même pas mal. La sous-couche du parquet, on a reçu. Le WC, ici. Le WC. Le meuble du WC. Voilà. Bah, là, pareil, on a reçu la paroi de douche. Ici, baignoire. Elle est en carton, du coup. Enfin, c'est... Ouais, c'est baignoire en carton, c'est... on se baigne directement dedans. Et le receveur de douche en carton aussi. Non, ça se casse pas, ça se casse pas, ça, je crois. La clôture qui séparera le potager et le jardin. Bon, du coup, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisse avec, du coup, la réaction de la salle par rapport à la maison, etc., ce qu'il en pense. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 3 sur l'évolution. Et après, bah, il y aura la vidéo finale, il y aura aussi la pièce secrète, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui vont arriver. Et je vous laisse avec la réaction de la salle. Bonsoir à la salle, comment vas-tu déjà en ce premier jour? Tu vas bien? Ça va et toi? Tranquillement. Bah déjà, je voulais un peu te remercier, parce que c'est vrai que je l'ai déjà dit dans ma vidéo. Bon voilà, je te remercie pour cette magnifique maison que j'ai pu avoir grâce à toi. Hein. Ouais, grâce également aux babouins qui sont toujours là, qui sont encore là. Et du coup, la salle, bah écoute, je voulais un peu savoir un peu tes nouvelles, toi qui as visité la maison. Qu'est-ce que t'en pensais? Est-ce que t'aimais bien les futurs travaux, etc., etc. Parce que là, je leur ai montré du coup les nouveautés, donc la cuisine, la salle de bain et tout. Et du coup, bah, on aimerait bien voir ton avis sur la maison. Bah écoute, la maison, elle est plutôt pas mal, spacieuse. Disons que l'alien va pouvoir bien se pavaner gratuitement et à son aise à l'intérieur. Ça fait plaisir. Ah bah, hey, gratuitement, c'est le cas de le dire. Ah, bah, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai commencé par gratuitement. Ouais, c'est le roi de Monaco, quoi. Ouais. Ok. Ouais, non, bah ouais, c'est grand, c'est plutôt pas mal. Et puis, du coup, tu vas pouvoir faire des barbecues tous les jours aussi. Ça, c'est pas mal, ça. Effectivement, sachant que la salle, je te dois un barbecue depuis 2014. Ça fait 7 ans que tu es censé faire un barbecue à 50€. Et du coup, bon, t'as vu un petit peu la cuisine en blanc et noir. Est-ce que t'aimes bien Est-ce que c'est tes goûts? Genre, toi, est-ce que tu la mettrais en blanc et noir, par exemple? Tu serais plus dans le noir? T'es comment, toi? Ouais, blanc et noir, bah justement, blanc et noir, ça passe bien. Donc, ça passe avec tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais sinon, moi, personnellement, hein, après, c'est mes goûts. Ouais. Je l'aurais mis plutôt en rose, vert et fuchsia.
Ah, dégueulasse, t'imagines? Bah attends, parce que les enceintes qu'il y avait, c'était blanc et bleu, hein. Du coup, je l'ai cassé complètement. Bon, en tout cas, je voulais te remercier dans cette vidéo, parce que c'est vrai que bah, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on fait des vidéos là? Ça fait 6 ans pratiquement, bientôt 6 ans. 6 ans qu'on fait des vidéos ensemble. Et voilà, je voulais te remercier pour cette magnifique maison, parce que c'est un peu grâce à toi qui m'a mis un peu sur le droit chemin. Même si, bon, des fois, tu t'énerves un petit peu contre moi, parce que tu dis, ouais, Nguyen, arrête de faire ci, arrête de faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et c'est vrai, des fois, je t'écoute pas à la salle. Tu devrais me faire quoi à la salle quand je t'écoute pas? Te frapper, c'est une bonne option, ça. Hein. C'est pas mal, ou aussi, tu me mets dans un coffre et tu me mets dans la forêt, vu que j'ai peur de la forêt. Ah, c'était à l'époque qu'il y avait peur de la forêt. Non, mais voilà, non, c'est grâce à toi, et puis c'est vrai que, voilà, ma famille te remercie également. Et mais c'est vrai que quand t'as une maison, c'est là qu'en fait tu te rends compte de tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De que la vie elle est chère. Ouais, exactement, comment tu sais? Off, intuition. Non mais ça, c'est vrai, c'est là que tu te dis, wow, en fait il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et aussi, quand t'as une maison, t'as envie de tout faire. Je sais pas si bah, tu vois, genre toi par exemple, t'as envie de tout faire, genre t'as envie de faire ci, t'as envie de faire ça, t'as envie de faire une salle gaming, t'as envie de faire une salle ciné, t'as envie de faire... tu vois, ça aussi, quand j'ai signé la maison chez le notaire, je crois qu'il a dit que j'étais... à Nancy, j'étais vraiment un des seuls rares, hein, à avoir acheté une maison comme ça à mon âge, tu vois. Et donc ça me fait plaisir, la salle. Tu peux être fier de Nguyen, voilà, tu peux être fier de Nguyen. On attend la présentation de la tienne, la salle, hein. La tienne, bon, et ta voiture aussi. Je m'expose pas... Non, comme c'est vrai. Toi, c'est vrai que la salle, il aime pas trop. En tout cas, voilà. Bon, on a parlé, ça fait à peu près 5 minutes. Est-ce que t'as un petit mot à dire pour les babouins? Eh ben, en tout cas, moi, je présenterai mon setup. Voilà. Oh, exclu. Bon, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos sur les travaux, sur l'avancée. Donc là, je vous ai présenté la cuisine et la salle de bain qui avait un petit peu avancé et les spots et tout ça, quoi. Donc, du coup, n'hésitez pas à me dire. Et on sait, ça tue. Ciao, ciao.